Orage, pluie, vent, grêle. Les images des gros dégâts à travers la France. Une femme est décédée suite à la chute d'un arbre en Moselle lors de cet épisode orageux très violent. L'épisode a été très violent, plus qu'attendu. Une série d'orages a touché la France samedi soir, sur une diagonale allant de la Moselle aux Pyrénées. Météo France avait placé 24 départements en vigilance orange. En fin de journée, l'observatoire Kérono relevait déjà des rafales de vent plus de 90 km/h dans le nord-est, comme le rapporte BFM TV. Les vents ont même atteint 149 km/h à Courouvre, dans la Meuse, note le site Météo Express. À Melun, en Seine-et-Marne, des rafales ont été mesurées à 95 km/h, selon la chaîne Météo. En Moselle, une femme de 19 ans est morte dans un accident de voiture suite à la chute d'un arbre sur l'autoroute A30, indique le poste CRS d'intervention de l'autoroute. Ailleurs, plusieurs supercellules ont produit de fortes voire violentes chutes de grêle entre les Pyrénées et le Massif central, note l'observatoire Kérono. De nombreux internautes ont partagé les images sur les réseaux sociaux de leur jardin dévasté par la pluie et la grêle. La violence des chutes de grêle a même contraint les automobilistes à s'arrêter sur l'autoroute A68, entre Gaillac et Albi. Mais l'accalmie est arrivée, ce dimanche, plus aucun département ne se trouve en vigilance orange.